Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Kirby Jean-Va ici, enfin avec une vidéo. Ce matin, j'aimerais vous lire des poèmes, mes poèmes qui étaient publiés dans l'anthologie de la littérature louisianaise d'expression française, ici. Je vais lire simplement les poèmes qu'ils ont choisi de mettre dans l'anthologie, poèmes que j'ai écrits. Premier poème que j'ai écrit pour mon premier livre de poèmes, L'école Gombeau. Un poème qui s'appelle Fricassé de poésie. Premier, tu fais un roux. Partez égal de la mémoire froment et de l'huile du moment. Puis tu brasses, tu brasses, tu brasses. Le vent nord a pré-sifflé. Le loup en dior hurle comme il veut rentrer. Il cogne au châssis. Il berce les berceuses de sur la galerie. Il nous avertit encore. Est-ce qu'on est paré d'être dérangé? On s'approche en dedans. On se colle. Collé, collé. Il cogne encore plus fort à la porte de l'estomac. Si on le quitte rentrer, on se demande avec la jolie blonde quel avenir et quel espoir. Comme un catholique à gros grains, il lâche ses sacrés cris, quand ça lui convient. Le choix sera à nous autres. Si on ne choisit pas, est-ce que c'est toujours un choix? Il essaye de grimper dessus le sofa, il se liche les babines. Est-ce que nous autres, comme lui, on a vraiment faim? On veut juste manger. À cette heure, tu mets les fruits de la mer, les bétails. Font la bonne pour la fée dodo, le soleil et les brises pour nous faire dodo, les âmes, servies avec du riz et séparées, allons manger. Ouais. Ce poème était inspiré par un de nos loups qu'on avait à la maison, un de nos petits chiens, et aussi par tous les loups de notre pays, c'est-à-dire tous le monde cajun. Créoles ici qui écrivent en français, tout ce monde-là. Et ça fait que ça devient ce livre, ce poème, je veux dire. Et aussi parce que c'était parti d'un livre qui s'appelle L'école Gombeau. J'ai mis une recette pour un fricassé là-dedans. Comme ça. Il y a du monde qui croyait que mon livre, L'école Gombeau, était un livre de recettes, un livre de cuisine. Ce n'est pas, mais peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que vrai, peut-être que non, on ne sait pas, peut-être que pas. OK, le prochain qui écrit, c'est bon pour le moment, c'est proche le temps de Pâques. Et ici, c'est un poème qui est dans mon troisième livre, Pâques et les œufs. Troisième livre, Cherche la chasse-femme, pardon. C'est bien mon heure le matin. Et ce poème s'appelle Pâques et les œufs. Ce n'est pas tout à fait à propos de Pâques, ou même Pâques et les œufs, mais c'est des choses qui vont ensemble avec le printemps. Pâques et les œufs. Tu peux ranger ton fusil pour un moment. Tire pas. Il y a juste assez de temps qui reste pour apprécier un autre printemps. Une autre pause pour rattraper notre souffle. Il ne faut pas avoir faim pour goûter un morceau de chocolat. On peut peinturer la maison en couleur entre bleu et vert. Les guerres et misères vont être là demain. Il y a une fille qui veut danser, un enfant qui veut te raconter une aventure qui déborde sa mémoire et inonde son attention. Tout quelque chose est correct. Tout quelque chose est magnifique pour aller les haricots. Touche le front avec un petit bout de cœur. Teins l'idée avec cette couleur d'agrément. Promène-toi dans le jardin, roule-toi dans les trèfles fleurissants, sois surpris par le lapin qui saute de sa cachette pour t'amener un rire dans lequel il n'y a pas rien d'autre que le moment qui pince et chatouille. Plonge-toi là-dedans sans penser. La beauté dort juste là, à l'autre bord de ta réalité qui semble pas réelle. Retourne au moment, tourne-toi vers le tournesol qui te demande juste un petit brin d'eau. Un peu d'attention. Jongle pas au besoin de gagner. Tu entends le craquer? Une nouvelle présence sort. Le poussin du nouveau jour. Comment ça se plume? Il n'y a pas de repoussant. Juste le moment plein qui chante au chant d'alouette. On veille, on dort, on est.
Un autre poème qui est publié dans l'anthologie, c'est un autre poème de Chercher la chasse-femme, mon troisième livre. Et c'est un poème qui s'appelle Rappeler innocence, rapper renaissance. Et c'est inspiré par, par des différentes choses. C'est inspiré par l'écrivain Rabelais. C'est inspiré par le hip-hop. C'est inspiré aussi par vraiment le commencement. C'est inspiré par un de mes élèves qui était dans ma classe des années passées, Morgan Munsing. Et elle était excellente et unique. Et vraiment juste un excellent, unique élève. Et avec un cœur qui était créatif et plein d'amour. Et elle vient de se marier, j'ai entendu Dieu. Et ça fait que je vais lire ce poème-là pour elle et pour vous et pour tous de nous. Rappeler innocence, rappeler renaissance. Je te remercie pour me rappeler ce qui est plus important, plus réel, le joli temps des dragons et monstres, plus vaillant, plus avenant, que notre temps d'examen et de responsabilité, plus agaçant, plus effrayant. Les yeux rouges d'un loup-garou créole haïtien, les cheveux violets d'un jeune américagène qui est à la fois lutin magique de Moyen-Âge et plus humaine et pas du tout moyenne. Un sourire qui peinture des autres. Rappelle-moi toujours ma gêne, rappelle-moi toujours de ma jeunesse, rappelle-moi du moment enceinte, rappelle-moi de ça quand même. Un petit brin de rap, olé. Rappelle-toi des femmes folles à la messe, rappelle-toi des femmes molles à la fesse, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gris gris, des tout petits, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des vieux parler pour mieux rappeler, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, des gros gros bugs, rappelle-toi des hommes faits à la passe, rappelle-toi des hommes pètes à la face. L'antistrophe de l'icantrophe, anthropomorphise, contre-pété, répété et les contre-pétries. Oui, ça prend un petit peu de café, ça. Bien. Le prochain, c'était un poème qui vient de mon deuxième livre, Petite Communion. Et ça, c'est un poème que j'ai écrit chez mon ami Brenda Mounier. J'ai écrit pas chez Brenda, mais j'ai écrit ça pour un événement qu'elle avait. Elle avait souvent elle avait quelque chose qui s'appelle le salon de dimanche après-midi où on se rencontrait là-bas. Elle avait demandé de faire quelque chose de spécial pour le jour de la Terre. Et juste une heure avant d'y aller, j'ai écrit ce poème qui s'appelle Tous les jours devraient être la fête des mères pour le jour de la Terre. Ça, c'est le poème que j'ai écrit et que j'ai lu là-bas pour cet événement. Quand je regarde la mer qui accouche les puits et les brises et nous tous les vivants, la mer des marsouins qui fait l'amour en pleine vue en sautant et en s'amusant, la mer qui abandonne son abondance de fruits, de bonté, de bon goût nourrissant, la mer de l'eau rafraîchissante qui rend même les plus malheureux bien contents. Je me demande si c'est juste des douleurs de l'accouchement, notre pollution comme coup de pied cicatrisant, notre péché de pêche comme tête de gourmand. Je vois sans sang. Quand je regarde notre terre de prédit et près de désert de loin, notre mer de forêt de chênes et cyprès de frênes et sapins, du récolteur qui tient le sol comme son sang coulant entre ses mains, du pop qui se penche et l'embrasse comme le soleil au matin de la Sainte Église américaine. J'espère que nos débris qui brisent sont que des boutons bénins. J'écoute ses plaintes et chagrins. Et je chante une chanson pour la mère créatrice, matrice de l'univers. Je chante pour rendre à l'endroit tout ce qui est à l'envers, pour la santé de son air et le salut de l'eau claire. Je chante dans cet air. Que tous les jours devrait être la fête des mères. Oui, oh, juste pour vous dire, j'ai un visiteur ici. Ceci, c'est Winnie. Bonjour, Winnie. Dis bonjour au monde, Winnie. Ça, c'est Winnie. Winnie, écoute bien. Hein? T'écoutes bien, hein? C'est bon. Et un autre poème qui se trouve ici dans l'anthologie,
Il faut une autre tribu de café. C'est un poème qui s'appelle Une danse de la pluie. Une danse de la pluie, un autre poème de mon livre Cherche la chasse-femme. Il y a une section, un chapitre dans le livre où, qui s'appelle Rencontre des muses et de loups. Et dans ce chapitre-là, c'est tous des poèmes que j'ai écrits après avoir lu le poème de un autre poète. J'ai lu le poème, j'ai lu un poème et puis j'ai écrit un poème. J'ai lu un poème, j'ai écrit un poème. Pendant une période de peut-être 2 jours, mais peut-être moins que ça. Et ici, c'est un poème par, inspiré premièrement par, après que j'ai lu un poème, c'est ce que j'ai son livre ici, je ne peux pas le trouver, mais c'est un livre de, c'est un, ça doit être ici quelque place, mais c'était le poète Jean-Philippe Hébert de Québec. Et après que j'ai lu un de ses poèmes, je crois que le nom du poème, c'était une prière pour ceux qui ne prient pas ou quelque chose comme ça. J'ai oublié. Pardon, c'est bon le matin, je dis ça encore. Et aussi, c'est inspiré par plusieurs autres choses, par le temps ici qu'on a dans la Louisiane. Il y a une référence à un movie, quel film? Le Shawshank Redemption, il y a une référence là. Une référence à plein de différentes choses. Ça fait que ici, une danse de la pluie, pour finir cette section de mes poèmes dans l'anthologie de la littérature louisianaise par UL Press et Prise de parole. Une danse de la pluie. Comme la pluie rédempteur drette dehors la prison, moi aussi je suis là avec figure et bras ouverts au ciel. Jean-Baptiste m'invite de me laver dans cette nouvelle sagesse. Dieu connaît qu'elle est dure cette vie qu'on vit ici. On se met à observer la pluie douce qui passe aux avalas. Le temps de l'eau haute, c'est où on flotte. On peut bien faire Mardi Gras dans les bateaux. Comme la prairie tremblante devient plus tremblante que prairie. Cher bon Dieu, encore déporté comme les aïeux. C'est bon que j'ai appris à nager très jeune. Un corps autour de la taille garroché dans le lac. Mais est-ce qu'il y aura un avenir où on peut emmarrer nos rêves? Est-ce que les enfants connaîtront la terre ou la mer ou la misère? Oh, il faut avoir espoir, même si la pluie tombe sans cesse. C'est jamais une question si la pluie va tomber dans notre vie. C'est juste une question de combien. On peut prier que c'est juste les anges qui sont appelés pleurer. Mais on peut se noyer dans les larmes ainsi que les lames. Mais moi, je ne me plonge pas encore dans cette désespérance. Voici le Rédempteur qui descend jusqu'à nous. Il mouille et je danse. Il mouille et je chante. Il mouille et je réclame mon héritage. Il mouille et je donne mon cœur à celle que j'aime. Il mouille et je trempe. La pluie tombe et je la laisse faire comme si j'avais le choix. J'avale les gouttes et je les goûte comme la coupe du salut. Mais en tout cas, j'ai des bottes et un siot si le bassin se déborde. Il faut des bottes et un siot si le bassin se déborde. Et il faut avoir espoir, même si la pluie tombe. Je vous souhaite tous une bonne semaine. Faire attention, la semaine qui vient, c'est le poisson d'avril. Et après ça, passez une bonne saison de Pâques. Et merci à tout le monde pour votre support, votre amour. Je vous aime bien. Comme je dis à mes élèves et mes amis, que la force soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Bonne chance. On commence. Longue vie et prospérité. Aussi, soignez vous autres et soignez les autres. Au revoir.